de Dieu. Today we're going to continue in the series a nature Donc il y a à peu près trois semaines le pasteur Robert a prêché sur euh, la fidélité de Dieu. About three weeks ago, Pastor Robert preached to you about the faithfulness of God. Donc euh, pasteur Catherine a prêché sur le, le Dieu de compassion la compassion de Dieu. Last week, Pastor Catherine spoke to you about the God of compassion. Et aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de la justice de Dieu. En tant que nature de Dieu. Et nous allons équilibrer tout ce que nous avons enseigné pendant ces trois semaines. Amen. Pour vraiment comprendre la nature de Dieu. Et le psaume 89, verset 14 nous dit... 89, verse 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Righteousness and justice are the foundation of your throne. La bonté ou la compassion et la fidélité sont devant ta face. Steadfast love or goodness and faithfulness go before you. Donc nous voyons qu'à travers ce verset, nous, nous avons vraiment euh, euh, touché

Et nous avons commencé par la fidélité, donc la bonté <laughs> et, et la fidélité sont devant ta face. Donc on voit bien qu'on a besoin de ces trois aspects de la, de la nature de Dieu. Pour comprendre et, et, et voir qui est notre Dieu. In order to fully understand who is our God. Et on ne peut pas euh, se, se passer de l'un de ces aspects, sinon. On tombe dans des dans des dans des dans des extrêmes. You can't skip one of those aspects of His nature because if you do, you will end up going to one extreme. Si on parle que de la justice de Dieu sans Sa bonté, sans Sa fidélité. For example, if you speak only of the righteousness of God without talking about the goodness and the faithfulness of God. Alors nous en tant qu'espèce espèce humaine, on est dans les problèmes. We will encounter problems. As a human race. Si on parle que de la bonté de Dieu et de la fidélité de Dieu sans parler de sa justice, alors nous touchons à la base même du trône de Dieu et de l'équilibre même de l'univers. C'est pour ça qu'il est important en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu. Que lorsque nous témoignons, nous témoignons vraiment de l'amour de la fidélité de Dieu. Mais aussi de cet ingrédient essentiel qu'est la justice de Dieu. We must also include that all important ingredient called the righteousness of Amen. Deutéronome chapitre 32, 3 à 4 nous dit Je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. For I will proclaim the name of the Lord and ascribe greatness to our God. The rock, his work is perfect, all his ways are justice. A God of faithfulness and without iniquity, just and upright is he.

De la même nature que lui. We possess the same nature as God himself. Amen. Et Amen. si nous sommes nés de nouveau, so if we are born again, nous avons à, à combien plus forte raison changer de nature? How much more do we need to change into His nature and see it manifested? Amen. Nous sommes passés de la mort à la vie. Because we come out of death into life. Nous avons changé notre nature pécheresse en, en une nature Divine, qui nous a été transmise par la foi, par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix pour chacun d'entre nous. Donc, premièrement, on va se pencher sur la définition de la justice. Donc, la justice, c'est quoi What does it mean? Donc, selon le, dic le dictionnaire, According to the dictionary, et selon l'étymologie de, de, de ce mot c'est un principe moral au nom duquel le droit doit être respecté moral Principe moral, It is the moral principle Au nom duquel le droit doit être respecté Right Restez avec moi. C'est une vertu morale qui consiste à être juste. It also means a moral virtue that consists of being righteous. Et à donner à chacun selon son dû. And able to give according to each one what he is due. Donc, pour un peu euh, illustrer ce qu'est la justice. So I just want to give you an illustration. Donc, il va euh, simplifier un peu les, les, les choses. This will for you. Imaginez un, un... Vous connaissez les niveaux de maçon niveaux de... Un niveau de maçon. Et puis, selon les niveaux de maçon, vous avez la petite bulle. And see the et lorsque vous placez ce niveau, donc, pour savoir si, si votre mur est droit, donc la petite bulle doit être entre entre les, les, les deux gradations doit doit être euh, euh, comment dirais-je doit être à égale distance. Oui, voilà. Donc la petite bulle elle doit être là. Elle doit pas être ici. The little bubble must appear between, exactly between two lines. They should not, it should not be to the left or to the right. right si in the la middle. petite bulle est à l'extrême droite, c'est que, voilà, que le mur n'est pas droit. Because if the bubble appears on the right, the wall is leaning to the right. D'accord Donc je dois tracer une ligne avec cette petite bulle qui va m'aider à tracer une ligne droite, une ligne qui est vraiment à niveau. Et là, je sais que ma, mon, mon mur sera droit. Il sera juste. And right, uh, just. Et il ne sera pas penché comme ça. Amen lors de ma précédente prédication, j'avais partagé sur les différentes visions du monde et nous avons abordé la question de la définition d'un être humain. Qu'est-ce qu'un être humain you, world, Donc nous avons conclu que selon la, vis la vision biblique du monde, un être humain, c'était un vase qui, a, qui portait l'image de Dieu conclusion vessel Et donc ça c'est ce, déterminer un être humain selon son origine. And this is what determines the origin of a human being. Mais nous voyons aussi qu'un être humain est déterminé par sa moralité. C'est-à-dire par sa conscience

that lives according to moral principles. Si tu demandes à un baobab ou à un if you ask an animal like an orangutan, sa définition de la bonne moralité. How the monkey would define morality? De la de la justice or righteousness, or Ou de la perception du bien ou du mal. Je te parie, ne pourra pas te répondre. Uh, if you ask him that question how he how he distinguishes good from evil, he wouldn't be able to answer. Donc toutes les autres espèces sur la terre, every other comme the les Earth, chiens, les chats, dogs, les poissons, cats, fish, et même birds, les singes, <laughs> and even monkeys, okay? vivent non seulement vivent seulement selon leur instinct animal. They only live to their animal instinct. Ils ne se posent pas la question de savoir d'où ils viennent d'où ils viennent, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est la bonne moralité. Seule l'espèce humaine se pose cette question. Pourquoi Parce que Dieu a mis en nous une loi de la bonne moralité. Et ça, aucun athée ne pourra avoir une réponse satisfaisante.

Et pour moi, c'est une preuve supplémentaire que nous ne sommes pas simplement des bouts de viande qui sont euh, dirigés par une espèce d'énergie un peu bizarre. Once again, that's proof to me that human beings are not just a piece of meat directed by some sort of cosmic energy. Cette conscience qu'a chaque être humain. It is a question of every human being possessing a moralité. Ce sens de la moralité, du bien et du mal. Morality, Donc, notre conscience nous rend témoignage qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Now, that that someone, Il y a greater. quelque chose de plus grand que la matière. Il y a material. quelque chose que nous ne pouvons pas percevoir avec seulement nos cinq sens. Amen. Amen. Et plus j'avance dans l'âge, dans mon grand âge, the older I get, plus je réfléchis sur les choses, the more I reflect on things. et plus je me dis qu'avec toutes les découvertes euh, 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 scientifiques de ces 30 dernières années, qu'il paraît de plus en plus évident que le monde dans lequel nous vivons, l'univers dans lequel nous vivons, n'est pas venu comme ça. Me, was, like Et que des gens, qui, qui, euh, des scientifiques qui sont brillants, intelligents, intelligent ne peuvent pas, en toute connaissance de, de cause, arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de Dieu. C'est pas possible. ne pas justifier une conclusion qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. C'est impossible. Donc j'arrive à la conclusion que ce n'est pas un problème intellectuel. Car la Bible, Bible euh, elle-même dit que dans, 1, dans Romains 1, 20. Car ce qu'on qu peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Voilà. Depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages ils sont devenus fous mm. romans 1 verse 19 to 22 for what can be known about god is plain to everyone because god has shown it to them his invisible attributes namely his eternal power and his divine nature have been clearly perceived ever since the creation of the world in things that have been made or created. So they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools. incomprehensible this is incomprehensible for me. Que des personnes intelligentes, Intelligent people brilliant. They're brilliant. qui, qui voient toutes les lois physiques, nature, que ce soit l'infiniment grand, grand comme l'infiniment petit, n'arrivent pas à la conclusion que Dieu existe. Not at that God exists? Donc pour moi, ce n'est pas un problème intellectuel, mais c'est un problème moral. So, parce que si ces hommes et ces femmes brillantes reconnaissent qu'il y a un Dieu, and that is a God, alors leur moralité va en prendre un coup. Their own personal morality will be challenged. Et ils vont, ils vont se rendre compte qu'ils sont redevables à un Dieu créateur. Et là, c'est ce que les gens ne veulent pas. And this is what they want to avoid. Ils préfèrent rester dans leur mauvaise voie, rester dans leur moralité morality, défaillante, which is weak and plutôt que de lacking, reconnaître qu'il y a un Dieu. Than recognize that there is a God. Reconnaître qu'il y a un Dieu, ça implique quelque chose. Amen. Reconnaître qu'il y a un Dieu, ça implique un changement de vie. A change of lifestyle. Et la Bible dit que repentez-vous. The Bible tells us repent. Quand vous réalisez qu'il y a un Dieu. Amen. Et la preuve en est, il y a une petite histoire qui est dans, dans Actes chapitre euh, 24 au verset 34. 34. Donc, pour moi, cette histoire, elle est même presque comique. Mais elle illustre un peu la, 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 la réaction que certaines personnes ont devant euh, lorsqu'on leur prêche l'Évangile. Because it sort of reflects to me the reaction of some people when you preach the gospel. Et qu ils réalisent que ok, il y a vraiment un Dieu. And they come to the point where they realize yes, there truly is a il est dit si quelques jours après, Félix vint à Drusil, pardon, vint avec Druzil, sa femme qui était juive et il fit à Appelle, il fait appeler Paul. Sorry, we're in Acts 24. And this is where Felix summons Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais, comme Paul discourait sur la justice, la, la tempérance et le jugement à venir, Félix, tout d'un coup, donc tant que tu parles de Christ, la foi en Christ, ça va, parle-moi de la foi en Christ mais lorsqu'il a parlé de la justice de la tempérance et du jugement à venir félix effrayé dit pour le moment retire-toi mm -hmm. quand j'en trouverai l'occasion je te rappellerai acts 24 verse 24 to 26 shows us that when felix heard paul preaching the gospel and about righteousness and self-control and judgment that was about to come He was alarmed, and so he told Paul, go away for now, I'm not ready for this. When I get a chance, I'll summon you back. In other words, Felix was saying, I don't want to hear about this God who's telling me what's right and what's wrong. Pour que je selon sa justice. Because that way I have to live according to his righteousness. Selon ses lois. I have to live according to his laws. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre selon mes penchants. But I want to live according to my own desires. Je veux vivre comme je veux. peu importe la loi et les justices de I Dieu. Want, no the of Le problème, c'est qu'avec cette façon de penser, ça, ça va affecter non seulement les individus, mais aussi les, les, les nations et même les continents. Lives, it nations. Il est dit dans Proverbe 14, 34 que la justice élève une nation. It is Verse Sorry. Proverbs 14, 34 says that righteousness exalts a nation. Mais le péché est la honte des peuples. But sin is a shame to any people. For any people. Donc ne soyons pas étonnés de voir notre, notre, notre génération. Don't be surprised if we see this in our generation. Particularly in Western society, we are. Hitting a wall. Simplement, nous pouvons voir que depuis plusieurs an années, euh, que, que, que la, la justice de Dieu est attaquée. We have seen to what extent, for the last several years, the righteousness of God has been attacked. Je veux dire la justice selon les, les lois de Dieu. And when I mean righteousness, I'm talking about justice according to the laws of God. Selon le Dieu de la Bible. And I'm talking about the God of the Bible. Amen. Amen. Sans réaliser, sans comprendre que Dieu est un Dieu de justice. Et que toutes les lois que Dieu a établies sont des lois justes prononçons, prononcées pour que nous puissions vivre en harmonie. Avec toute La Dieu était juste lorsqu'il a créé les lois physiques qui régissent tout l'univers. These laws govern the entire universe. Et Dieu a été juste lorsqu'il a créé aussi les lois morales. When moral Amen. Amen. Et euh, vous vous souvenez, lorsque euh, Dieu a agi avec justice, il a donné à Adam cette loi. Il a dit, remplis la terre de ma gloire, règne sur elle, sur elle et prends soin. When God created Adam and Eve, He told them, "Be fruitful, multiply, fill the earth, and dominate or govern the earth that I've entrusted to you." En soin en établissant ma justice, take care of this world that I've given you by establishing my righteousness. Parce que le royaume de Dieu la justice, la paix et la joie. par le Saint-Esprit. Er, Mais tu ne peux pas avoir de joie ou de contentement comme disait tout à l'heure euh, Assina. J'aime bien aussi le mot contentement. As before, we were, sans paix. Peace. Et tu ne peux pas avoir de paix, de shalom de Dieu sans and you can't have peace you can't have the shalom of god without having righteousness first. alors rappelez vous euh, dieu a donné à adam euh, euh, cette, euh, ce mandat et il lui a dit à un moment donné tu pourras manger de tous les arbres de, de, du jardin. so god gave to adam this mandate and then he said to him you can eat any tree of the garden except this one here in the middle you can eat of the tree of life. Mais But tu ne pourras pas toucher à l'arbre de, la, de, de, de la connaissance du bien ou du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, on pourrait dire que Dieu a donné la possibilité à, à l'homme de changer une loi morale. Il a donné à l'homme la possibilité de changer une loi morale. Right there, in the Garden of Eden. Donc Dieu aurait pu donner à l'homme la possibilité de changer une loi physique, et heureusement il ne l'a pas fait. Merci hmm. Seigneur. Mais il do do a donné ce choix à l'homme de pouvoir changer des lois morales en lui donnant cette, cette interdiction de, de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien. Et du mal. Et nous voyons dans nos beaux pays occidentaux que l'homme fait du grand n'importe quoi avec, ce, avec ce, ce, ce droit de pouvoir changer certaines lois morales. Et on voit que l'homme joue même les apprentis sorciers avec, cette, avec, ce, avec ce droit and they take their rights to an extreme and with this possibility, they almost become manipulative like witches jusqu'à jusqu nier des des évidences and they even deny physical evidence and proof vous savez maintenant que euh, sur, certains, sur les cartes d'identité enfin sur les, sur les livrets de famille now in france for en, example en france you know you have your donc on a enlevé, on a enlevé la, la notion nom du père et nom de la mère. Et on a mis parent 1 et parent 2. Et maintenant, euh, j'ai appris que sur, alors je sais plus si c'est en France ou, mais de, sur les cartes d'identité, on va plus avoir la notion de sexe. Avant, on pouvait voir sexe gender. féminin, sexe fa, fa, euh, masculin. No Là, gender. on va enlever Masculine cette notion. On you. est dans le grand délire. It is totally off the wall. Et on ne réalise pas qu'on est en train de toucher une loi, une loi morale. Et on ne peut pas toucher une loi morale qui a été établie par Dieu sans conséquence. De la même façon que dans, dans les lois physiques de la nature. Il y a, euh, comment dirais-je, si tu considères les lois physiques de la, de la nature, Regarding these physical laws, il y a par exemple, euh, comment dirais-je, si tu vois, par, il y a une découverte qu'on a faite en 1993. I'll give you an In 1913, a was made. On a vu que la, la distance de la Terre à la Lune, et même la masse de la Terre, and even était, euh, était euh, calculé d'une façon tellement précise And it was so so que si jamais la, la, la Terre n'avait pas cette masse ou, ou s'il n'y avait pas cette distance de la Terre à la Lune euh, 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 qu'il y a, la vie sur Terre serait impossible. Parce que la, la masse de la Terre et la masse de la Lune, et ainsi que la distance de la Lune, font en sorte que la Terre a une inclinaison de 23,5 degrés. Ce qui permet à ce qu'on ait les saisons, à ce qu'il y ait les différentes marées. Et imaginez que la, la Terre n'ait pas cette règle, cette donnée. So no access, Donc ça serait complètement chaotique sur la Terre. Would chaos. Soit tu aurais carrément six mois de, de, de jours, six, six mois de, de nuit. Et euh, ou de la glace sur la terre, ou de age, et, la terre serait et la vie sur terre serait complètement impossible. Même la donnée qui, est con qui, qui contient justement la, la loi de la, de la gravité, so even when we like the law of gravity, si cette donnée était un petit peu plus, euh, petit peu plus grande, soit tu t'envolerais sur, sur, la, sur la terre, ou soit, the of was any soit tu t'écraserais complètement sur la terre. Donc tout a été calculé avec une Everything telle précision, so une telle justesse. Specific, Et j'allais so dire une telle justice. And there's so such a righteousness in the creation. Et heureusement que les êtres humains n'ont pas la possibilité de changer ça. Goodness, change Parce que pour rigoler, on se dirait « Bon, on va changer un petit peu les données de la gravité Because pour pouvoir voler. » you know, so Et ça déréglerait l'univers tout entier. Every tout ça pour dire que les lois que Dieu a données sont des lois essentielles pour l'harmonie

justice vous avez déjà entendu parler de la justice des hommes et de la justice de Dieu For example, you've heard the righteousness of men and the righteousness of God. Et comme nous voyons ça n'a euh, bien souvent pas, pas, euh, aucun rapport. And we see how, how very different they are from one another. Et même Jésus parle de niveau de justice. And even Jesus himself spoke about the different levels of righteousness. Dans Matthieu chapitre 5, il est chapitre 5 verset 20, il est dit car je vous le dis si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. He said this in Matthew 5 verse 20. I tell you unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees you will never even enter the kingdom of heaven. Donc nous allons nous pencher sur la justice des hommes. So, donc la justice des hommes est fondée sur des valeurs et des lois du moment. Elles suivent l'évolution de la moralité des membres de la communauté, que ce soit un pays, une région, des familles ou des individus. Donc la justice des hommes elle, elle est changeante. Leurs It valeurs changes. sont changeantes. Mais la justice de Dieu, elle est fondée sur la parole de Dieu et les principes du royaume de Dieu. Et ces lois ne changent jamais. Change. Heureusement pour nous. Thank Amen. Ima imagine que Dieu décide tout d'un coup de changer la loi de la gravité. What if God were to decide all of a sudden change the law of gravity just to have Maintenant nous allons voir les conséquences pour l'individu ou un groupe de vivre selon la justice de, pardon de ne pas vivre selon la justice des lois établies. Now we're going to look at the consequences of, for a person or a group that does not live according to the laws established by God. Il nous faut ralléger que notre égard à l'égard de la justice, que ce soit la justice des hommes ou la justice des dieux, a des conséquences. Soit pour le bien ou soit pour le mal. Donc nous voyons dans notre système de justice humain que les lois ont été établies pour que nous puissions... Euh, comment dirais-je pour que toute personne qui n'applique pas cette loi s'expose à un jugement. Avec le système de justice en France, si tu as commis une infraction, un délit ou même un crime, la justice de notre pays va te demander des comptes. Selon le droit français, tu devras te soumettre à ce droit français et euh, tu devras te soumettre aussi à un jugement. Donc, si vous êtes ici comme un paysan de France ou un résident de France, vous devez être soumis aux lois françaises. Si non, vous serez soumis au jugement. Et la justice, normalement, est faite pour protéger et indemniser aussi les victimes. Donc, ce n'est pas simplement que les coupables qui seront ju jugés. Pourquoi est-ce que c'est Ce n'est pas juste pour punir les victimes, les criminels, c'est pour protéger les innocents. Donc, je vais te raconter une petite histoire. Imagine que tu sois une victime. Here's a du... little story. Imagine que tu es victime. Tu es victime d'une agression.

Car il y a suffisamment de preuves contre lui qui, qui l'empêche de dire le contraire en fait. C'est parce qu'il est obligé. Mais que ton agresseur dise les larmes dans les yeux et la main sur le cœur. He feels so bad about it. This criminal, he's crying, the tears are running down his cheeks, his hand is on his heart. Monsieur le juge, je suis désolé d'avoir fait ça. Je vous promets je ne recommencerai plus. I promise I will never do that again. Please Car me. franchement, je suis pas fait pour aller en prison. On not made for prison. I don't want dû y penser avant, mon gars. I would have said to the guy you should have thought of that before. Donc la main sur le cœur, les so larmes dans les yeux, heart, eyes, en essayant de toucher les émotions du juge. Please, the judge. Et pour conclure, tu entends le juge dire, bon, je vois les larmes dans tes yeux. So, criminal, okay, et, je, et, je vois, et je vois la main sur ton cœur. Donc je passe l'éponge. Tu es libre. Qu'est-ce que tu penserais de ce juge? What would you, as a victim, think about that judge? Est-ce que c'est un bon juge? Is that a good judge or not? Non. C'est un juge all. inique. I would Et toi, il a même pas part part part. parlé de toi. Il a même pas parlé de, ta, de que tu étais victime. You know, he didn't consider the fact that you were a victim. He didn't consider the evidence. Le fait que même tu sois, qu'il y ait une réparation, que tu sois euh, euh, dédommagé. He, didn't even talk about restitution. Pourquoi je parle de ça? I give you this example. Why? Il y a dans notre société there is a tendency in our society une espèce de propagande. I would say there's even a kind of propaganda qui nous fait comment dirais-je voir la justice de façon déformée. That is trying to make us see justice in a perverted way pour pouvoir passer des, 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 des lois iniques. On va toucher nos sentiments. Do do On va nous montrer une histoire où ça va vraiment nous faire pleurer. Mais simplement pour pouvoir passer des lois iniques. Vous voyez de quoi je parle. Ce pauvre petit garçon, cette pauvre petite fille qui ne sait pas si elle est un homme ou une femme, on va vous présenter une belle petite histoire bien ficelée. Pour qu'on se fasse à l'idée que ben, peut-être que effectivement il y a un genre biologique et un genre physique. Quand je vois ce qu'on nous passe dans les médias, dans les publicités. La façon dont on essaie de nous faire un lavage de cerveau. The way that to us, à nous faire accepter ce qui est inacceptable. Make us accept things that are unacceptable to God. Maintenant, dans toutes les publicités, pratiquement dans toutes les publicités ou dans toutes les séries, tu vas avoir des, des, des promotions des valeurs LGBT. You will see values of the LGBTQ community being promoted. Et pour moi c'est de la propagande. To, to me, pour nous éloigner de ce qui est vraiment juste. To draw us away from the only true, absolute righteousness. Mais pire en plus pour, pour éloigner les gens le peuple, cette génération, de ce qui est juste et de ce, qui est, et de ce que Dieu veut pour eux. Et là, en tant que chrétien, on a vraiment un grand défi, les amis. On est dans une génération vraiment particulière c'est pour ça que je parle de la justice de Dieu. On ne peut pas parler que de l'amour de Dieu. ne pas juste parler de l'amour de Dieu. Sans parler de la justice sans de Dieu. De de Dieu. Amen. Amen. Dieu a établi des lois physiques In the same way that God laws, qui, de toute façon, seront, seront, euh, comment euh, marcheront parce que personne ne peut, ne peut y toucher. On en tant qu'être qu 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 humain, il a, étui, il, a, il a aussi établi des lois morales moral pour que nous vivions une bonne vie. Pour que nous ne vivions pas dans le péché. Car le péché donne du pouvoir au diable. L'ennemi de tous les hommes. L'ennemi de toute la race humaine. The, of the whole human race. Et la justice donne le pouvoir à l'homme de vaincre le péché. Mais la justice de Dieu donne aux êtres humains le pouvoir de vaincre le péché. Amen. Amen. Donc Dieu est un Dieu de justice. As we said, God is a God of righteousness. Nous avons vu que la justice et l'équité étaient la base de son trône. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Et nous avons vu aussi que si Dieu est juste, il doit punir le péché. And we know that righteous god must punish sin. Et Dieu a donné à l'homme les dix commandements. God gave to mankind the ten commandments. l'âme qui pèche c'est celle qui mourra, qui sera séparée de lui. And he declared the, to Adam if he sinned, he would be separated. Et qui ira en enfer. From God, he would die and he would go to hell. Mais en même temps Dieu est un dieu d'amour. At the same time, he's also a god of love. Alors comment Dieu va faire pour pouvoir euh, sauver les hommes. Mais en même temps en restant juste. But remaining righteous himself. Et rappelez-vous que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Remember, and are the of his Donc Dieu ne peut pas dire à un pécheur ben va, c'est pas grave. So God himself cannot say to the sinner oh go ahead it's not too serious. C'est pas possible l'équilibre même de son royaume serait en danger s'il faisait ça. Because that would destabilize the very balance Il of his kingdom. Il serait un juge inique. Donc comment Dieu va-t-il faire pour réconcilier son amour et sa justice? So what does God do to reconcile his love and his righteousness? Est-ce que Dieu a trouvé une solution justement pour cela? Did he find a solution to this dilemma? Y a-t-il eu un, un, un moment dans l'histoire, dans l'histoire de l'humanité, où la justice de Dieu et l'amour de Dieu se sont rencontrés La réponse est the oui. Right. Amen. Jesus. Ce moment dans l'histoire de l'humanité où Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu en tant que saint. Dieu est venu se manifester dans la chair. Il a marché pendant 33 ans sur la terre. En passant par Gethsemane, où il avait la capacité encore de dire non. And even there he had a choice. He could say no I don't want to do this. Amen. Right? Et sur cette croix. But he chose to go to the cross. Sur cette croix. On that cross. Il est devenu péché pour nous. He became sin for us. Afin que nous devenions sa justice. That we would become the righteousness of God in him. Amen. Amen. Il est devenu péché pour nous. He became sin for us. Afin que nous devenions sa justice. So that we would the of God in him. Dieu a payé un prix immense. Simplement par amour pour nous. Et c'est pour ça que nous comprenons qu'il est dit, ne négligeons pas un si grand salut. That's why the Bible tells us to never neglect such a huge n'avait pas, si pas, pas payé un grand prix. And tells us not to live as though Jesus didn't pay that price. Dieu, le Père, qui devait nous juger, God the Father meant to judge us. And he accepted the sacrifice of his son Jesus paye le prix de chacun de nos péchés. he accepted the fact that his only begotten son would pay the price for our sin. Pour montrer à quel point il nous aimait. in order to show you and me how much he loved us. Quel est celui vous, how many of us would tell our son, okay, go pay the price for the guilty people? Hmm? Mais Dieu fait. god himself did that. Dieu dans sa, il a réconcilié son amour et sa justice. God reconciled his love and his righteousness. Parce qu'il ne veut qu'aucun homme, aucune femme ne périsse et n'aille en enfer. Et ce heaven. sacrifice de la croix de Jésus pour nous nous a donné la capacité et le us. pouvoir sur le péché. The ability, the power to overcome sin et cette capacité de pratiquer la justice. And the power to nous sommes devenus justes. C'est un don de Dieu. It's a gift from God. Afin que nous pratiquions cette justice. So et que nous vainquions sur le péché. So et que nous soyons une lumière. And a light là où Dieu nous a placés. Wherever God has placed us. Et des témoins.

marcher dans la justice. Même si le monde devient de plus en plus noir, notre justice doit briller de plus en plus. Amen. Heureux ceux et celles qui ont faim de la justice. Car elles seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront la gloire Because de Dieu se manifester dans leur God vie et au travers de leur, de leur vie. Je veux voir la gloire de Dieu manifester. Je veux voir les, 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 les signes, les miracles, les prodiges se manifestent and miracles au travers de ma vie et dans ma vie. Through my life and in my life. Et c'est pour ça que je fais, veux faire tout pour Travailler à mon salut. Veiller à, à ce que toutes mes voies soient bien réglées selon la justice that de Dieu. Sure Et purifier mon cœur chaque jour davantage. The day day. Amen. Amen. levons nous dans la présence de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Father, thank you for your word today. Je te remercie pour cette semence que tu as semée dans le cœur de chacun d'entre nous. Seigneur, je prie pour la révélation de ta parole. spirit La révélation de ta justice en nous. The revelation of your righteousness in us, afin que nous nous voyions tels que tu nous vois, Seigneur. Et que nous réalisions la nature de ta justice en nous Père Seigneur alors que le monde va devenir de plus en plus noir de plus en plus ténébreux Lord, as the world becomes darker and darker, nous nous voulons marcher de plus en plus dans la justice et We la sainteté et nous te remercions Seigneur parce que tu nous as donné ce pouvoir et cette capacité de briller dans ce monde to shine as a light in the world. Et d'être la lumière du monde, Seigneur. To be the montre, light of the world. Qui montre la croix du calvaire. That reveals the cross of Calvary. Qui montre, Seigneur, que tu as pourvu. That reveals you have provided everything. À ce prix pour tout homme et toute femme. You paid the price for every man, woman and child. Qui veut être réconcilié avec toi, Seigneur That wants to be reconciled to you, Lord. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. And the people of God said Amen. Amen.